Salut à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, enfin comme vous le voyez, comme vous pouvez apercevoir, c'est des personnages de Fable 3 et je vais vous proposer des let's play dessus maintenant et tout de suite. Nous sommes sur le premier épisode et je vous dis à tout de suite après l'intro. Me revoilà, et oui, comme j'étais en train de vous l'expliquer, je suis sur Far Cry 3 et je vais vous proposer des let's play dessus et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me soutenir encore et toujours. Et c'est pour faire un petit peu de changement parce que c'est vrai que c'est bien, mais c'est toujours mieux de changer un petit peu de jeu en même temps. Voilà, alors je sais pas si vous connaissez plus ou moins tous Fable, moi je sais. Non, c'est bon, ça ira, merci. Et oui, comme j'étais en train de le dire, j'avais fait le 1, le 2, j'ai pas réussi à le faire. Puis là, j'ai réussi à retrouver le 3. Et je vais vous proposer des let's play dessus. Et je sens qu'on va bien se régaler. Bref. Voilà. Ah, d'accord. Il y a eu un petit bug, en fait, il ne parle pas. Bon, on va choisir. La solution directe. Très bizarre ce petit bruit. C'était comment? Pas mal, pas mal. Je crois que ça va l'air. Je me demandais si tu allais venir. Jasper t'a dit que je voulais te parler. Oui. Il est arrivé quelque chose. Je ne sais pas vraiment, mais on dirait que tout le monde au château est énervé contre ton frère. Encore plus que d'habitude. Et c'est encore bien pire en ville. On entend toutes sortes d'horribles histoires. Par exemple, on dit qu'un travailleur de l'usine a été exécuté ce matin. Je suis certaine que ce n'est qu'une rumeur. Mais je te laisse imaginer le tapage que ça fait. Le personnel du château a peur. Alors je leur ai dit que tu viendras leur parler. Tu vas t'en occuper. Je n'ose pas penser à ce qui se passera si personne ne calme les choses. Si tu penses que c'est pas lui. Absolument. Ils ont peut-être peur du roi, mais ils ont toujours. Le chien est un petit peu bugué, hein, si vous voyez à côté droit. Alors, mon prince, vas-tu me prendre la main et ma... Bien, on peut y aller. Trop fort maintenant. Ce qui est bien, on voit la petite truc en dessous. Là. Excusez-moi, on a entendu mon chien. Je fais une petite coupure, je reviens. Me revoilà. Excusez-moi de la petite coupure, mais bon, mon chien fait chier. C'est pas un berger allemand ou je sais pas quoi. C'était c'est un spitz allemand pour ceux qui veulent savoir. Et comment dire. Et oui, bon, il a aboyé. C'est. Je m'en excuse, je suis désolé. Mais bon, lui aussi voulait participer, je pense, dans la vidéo. Alors voilà quoi. Bon, nous reprenons. Je trouve que c'est bien fait ça, c'est le mode de faire ce qu'on veut en fait. C'est arrivé vraiment dans celui-là et c'est super bien. Par contre, il a une tête. C'est bizarre parce que ça parle pas du tout. Enfin, pas tout de suite. Ça parle après, voilà.
Je trouve que ce qui est bien fait maintenant, c'est qu'on est, on est un peu plus respecté. Voilà. Oh là. Voilà, autant que dans la vraie vie que dans les jeux vidéo. Faut toujours aider son prochain, comme on dit. Ça fait toujours plaisir d'aider des gens. Même dans les jeux vidéo. Magnifique. C'est bizarre, il y a des moments où on va les entendre parler et d'autres moments qu'on ne va pas les entendre parler. Là, on va les entendre parler s'ils parlent, sinon c'est, je trouve ça très désagréable, mais bon, c'est pas grave. Normalement ici ils doivent parler, mais je pense qu'à mon avis mon jeu est bugué. Voilà. Voilà, je suis désolé, on va passer les démos, mais voilà. Voilà, je suis désolé, je vous fais cet épisode là comme ça. Je vais essayer de régler le prochain épisode, enfin l'épisode 2. On verra ce que ça va donner, mais bon, je vous promets rien. Voilà son frère, mais. Enfin, je crois, je suppose. Heureusement qu'on peut, on peut les zapper. Et comment on fait? Je peux pas faire autrement.
Voilà. Je pensais avoir fait un peu le truc. Bon, je vais essayer de passer les démos, malheureusement. Ah bah voilà. Voilà. Bon, je pense que ça devrait refonctionner, enfin j'espère. C'est vrai que c'est pas efficace quand il n'y a pas les voix. Trouve stylé quand même le nouveau fonctionnement de Far Cry 3, de Fable 3. Oh, stylé. Voilà, alors je sais pas combien de temps va durer l'épisode, mais il va pas trop durer non plus trop longtemps. Et ne vous inquiétez pas, je referai des let's play dessus. Je pense que je vais bien me régaler.
Non, reviens. Ah, c'est stylé, un petit pouvoir là. C'est ça. Nous devons arrêter l'autre. Comment suis-je censé faire ça? Certes, je suis un héros, mais je ne reste pas dans la vie. Exactement. C'est pour cette raison que nous devons trouver des alliés. Beaucoup d'alliés. Une fois que tu leur auras montré qui tu es, les gens te suivront. Et beaucoup d'entre eux voudront te combattre. Ça va, il court. Oula, oula. Comme ça qu'on gagne les trucs, ça va rapide à ce que je vois. Comme tout, il faut apprendre. Sûrement, ce n'est pas l'endroit le plus sûr pour nous. Mais on devrait pouvoir s'échapper de cette ville une fois tous remontés à la surface. On dirait que c'était un cul-de-sac. Pas tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Je suis presque sûr que c'est une sorte de cul-de-sac. Une sorte de système de transport magique. Héros.
sanctuaire de ton père. Il en parlait, mais je n'aurais jamais imaginé que cet endroit était réel. Oh, j'arrive pas à le voir. Jasper, ce livre contient une note avec ton nom dessus. Regarde, impossible. Pour Jasper? Bon, je vous l'accorde, c'est possible, mais c'est une coïncidence. Oh, ne sois pas stupide. L'ancien roi doit l'avoir laissé là pour toi. Quel est son titre? Le livre des héros. C'est incroyable. Ça dit comment sortir d'ici? C'est vraiment remarquable. Tout ce que nous voudrions savoir sur les héros et cet endroit est couché noir sur blanc. C'est fou. Voilà, avant de vous dévoiler plus de ce jeu, enfin avant de vous dévoiler plus d'autres choses, je vais vous l'essayer pour cet épisode et je vous refais un épisode très prochainement. Salut à tous, n'hésitez pas à me follower sur Twitter aussi et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, bye bye.